Bonjour, bienvenue pour un nouveau Prestart sur Maxo TV et cette fois on va vous parler du gameplay de Battlefield 2042. Donc c'est le nouvel opus tant attendu de la licence. Alors le but c'est de proposer des cartes à très très grande échelle avec 128 joueurs au total. Et ce que propose Battlefield dans le cadre de ce gameplay, je ne vais pas rentrer en tous les détails, hein, mais ce qu'il propose en gros ce sont des batailles de zone. Hein, c'est l'idée d'aller sur une zone, de l'obtenir, de pouvoir la garder et ainsi de marquer des points. Que vous dire sinon que le jeu est déjà très beau, ça c'est clair. Les cartes sont immenses. On retrouve le gameplay Battlefield avec plein de véhicules, tout ce qu'il faut qu'on connaît bien dans Battlefield. Et puis je me suis fait auxire. On peut attendre de l'aide ou simplement demander une réapparition. Et vous avez vu, la carte est assez grande avec un certain nombre de zones à récupérer. Il y a eu l'introduction aussi dans ce Battlefield des spécialistes. C'est tout simplement, une petite évolution des classes habituelles qui étaient auparavant, vous savez, assaut, sniper, médecin, etc. Mais là, ces spécialistes, ils ont des particularités. C'est-à-dire qu'on peut leur donner l'attirail qu'on veut en termes d'armement, armes de poing, fusil, grenade. Mais par contre, ils ont quelques petites particularités intéressantes qui en font leur spécificité, ce qui permet éventuellement, nous, en tant que joueurs, de s'attacher à l'un ou l'autre de ces spécialistes. Donc vous voyez, on est ici sur une carte assez grande. Je suis sur un point une zone, on va dire, de capture. Donc je me planque comme un gros lâche et puis j'essaye de pouvoir capturer cette zone B2. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, j'ai eu quelques points de capture. Ça c'est un ami. J'ai toujours un peu de mal parfois dans ce genre de jeu. On a souvent tendance à tirer sur les potes en mode réflexe. Voilà, donc vous pouvez un petit peu apprécier les éclairages, notamment les mouvements. Alors la nature et le vent, on peut le voir ici dans les arbres, est très très bien fait. Et puis les cartes, alors ça n'est qu'un exemple de cartes, sont variées. Vous avez des zones un peu à découvert, pas mal de planques, de la verticalité. Alors c'est normal aussi cette verticalité, puisque il y a aussi des véhicules et des avions, des hélicoptères, enfin tout ce qu'il faut pour une guerre à grande échelle. C'est la signature Battlefield, on n'est pas déçu de ce point de vue-là. Donc voilà, avec la map, on peut voir les zones qui sont déjà dans notre camp. Vous avez à gauche les membres de votre escouade, hein, on est toujours par escouade. À droite, les différentes armes qui sont à votre disposition. C'est connu, c'est classique. Simplement, Battlefield, ici, 10 et EA, on fait un travail de peaufinement et de mise à l'échelle. Alors, je vous montre une autre phase de jeu sur la même carte. Cette fois, pour montrer les véhicules, parce que Battlefield sans véhicule, c'est pas Battlefield. Donc je suis allé m'amuser un petit peu avec ce véhicule blindé pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est, vous montrer aussi le moteur physique, on le voit ici, hein. C'est-à-dire que Battlefield, c'est aussi le fameux Frostbite, le moteur physique qui permet de modifier l'environnement. Ne croyez pas que vous serez planqué dans une maison, parce que dès qu'il y a un tank qui tire sur la maison, il y a la moitié des murs qui tombent et donc vous n'êtes plus du tout à l'abri. Voilà, là je vous montre un petit peu en faisant n'importe quoi la physique du modèle. Je descends du véhicule pour aller faire une capture à pied. Sécurisation des coins en cours. Vous voyez au-dessus là, c'est un hélicoptère qui vient de jeter des. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, mais en gros, ça fait pas du bien.
Voilà, ici je vais me mettre en mode campeur pour essayer de capturer la zone. On voit que B1 était chez l'ennemi, donc petit à petit elle régresse chez l'ennemi et on va petit à petit la gagner si on est nombreux. Oui, EB1, j'ai dit B1, E1, pardon. Si on est nombreux sur la zone, on va pouvoir récupérer la zone en question. Ressources disponibles pour un largage. Voilà, c'est fait. Donc c'est un système de ressources en bas à gauche, on voit le nombre de ressources qui restent. Et puis plus vous avez de zones, ben, moins vos ressources diminuent. Donc c'est bien l'enjeu du débat, c'est bien d'avoir un maximum de zones sur chaque carte. Donc là, je me suis amusé à prendre un hélico et là, vous allez admirer l'aisance et la grande classe avec laquelle je manipule ce genre d'équipement. Voilà, c'est fini. Bon, je me suis posé la question, est-ce que je montre ça à tout le monde dans ma vidéo ou pas? Bah oui, j'assume, j'ai été nul de nul avec cet Les forces hélicoptère. alliées ont perdu 50% de leur effectif. Voilà, réapparition à chaque fois. Là, j'ai fait une réapparition dans un hélico aux commandes d'une mitrailleuse. Et je suis allé directement sur un point de capture. Là, je vais essayer de. Là, je vois des ennemis au loin. Si vous aimez les combats à très grande échelle, si vous aimez un peu le bazar, eh ben, vous serez comblé. On est loin d'un Call of Duty, hein, qui est plutôt sur des petites cartes, sur des équipes de petite taille, bah c'est bien aussi, les deux licences gardent leurs spécificités et c'est plutôt pas mal. Bon, on va passer à autre chose. Ici, je vais vous montrer une carte où eh bien il y a tout simplement des événements naturels sur les cartes. On a des tornades qui arrivent, on a la pluie, on a une météo un petit peu capricieuse, on a plein d'événements. Et là je suis allé directement dans une tornade, comme vous pouvez le voir, j'ai déployé mon parachute. Et ben ça m'a permis de m'envoler tout simplement. Alors c'est pas très réaliste, hein, parce que normalement dans une tornade je pense pas que je pourrais survivre comme ça, mais voilà, je me suis amusé à faire ce genre de choses pour rigoler. Mais bon, on s'amuse comme on peut, hein. Et je peux même essayer de viser alors que je suis encore pas très loin de la tornade. Alors ces événements naturels, bah, ils ajoutent pas mal de peps à l'ensemble du jeu. Ça c'est très intéressant. C'est évidemment ce qu'on nous avait promis et c'est ce qu'on nous a livré. Donc de ce côté-là, EA a fait le job. C'est difficile de critiquer le jeu aujourd'hui. Il n'y a pas de mode campagne, hein. C'est une des principales critiques que moi je pourrais lui faire. Pour autant, en termes de multi, il fait le job largement et il fait le job aussi parce qu'il propose ce mode-là, un mode plutôt orienté ruée, un mode qui est plutôt basé sur les escouades et puis des modes qui sont liés aux anciens Battlefield, notamment Battlefield 1942, comme on en a parlé déjà. Et voici justement une carte de Battlefield 1942 remise au goût du jour. On a aussi Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2. Et pour chacun de ces Battlefields, eh ben, on a la possibilité d'avoir une progression, enfin pas des personnages, mais en tout cas. On va pouvoir obtenir des armes, on va pouvoir avoir des spécificités sur chacun des jeux. Et puis on a la possibilité aussi de construire nous-mêmes nos propres règles du jeu. Ça s'appelle Battlefield Portal. Il y a des modes prédéfinis et des modes faits par les joueurs. Et vous pouvez construire votre mode et donc proposer un peu tout et n'importe quoi. Vous définissez les règles que vous voulez, les soldats que vous voulez, les cartes que vous voulez. Et de ce point de vue-là, le jeu a remporté tout simplement. Il a gagné son pari parce que ça permet finalement de faire plein de parties en FPS
avec tout ce qu'on veut, comme on veut. Bon, moi, je dois avouer que j'ai un petit fait pour ces cartes 1942, là, dans la neige, en mode Deuxième Guerre mondiale. Et je trouve ça très beau et puis bah, très souple. Le gameplay est bien foutu. On peut se jeter par terre, glisser, on peut sauter par-dessus les éléments. Les bâtiments sont destructibles, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, le soft fait vraiment le business, il fait vraiment son job, il n'y a pas de souci. C'est un pari réussi pour EA, il n'y a pas à douter là-dessus. Voilà, finissons avec l'interface. Alors, on a Warfare, la guerre totale, c'est le nouveau mode Battlefield 42. Hazard Zone, c'est le jeu en escouade hein, qu'il propose aussi, qui est nouveau, évidemment. Et Portal. Portal, c'est exactement ce que je vous disais à l'instant. Ça propose des modes qui tapent un petit peu dans les anciennes licences. Alors, j'espère qu'il y en aura d'autres, hein, qu'on pourra avoir du Battlefield 4 ou du Battlefield 5 sur ce titre, sur ce jeu. Vous voyez ici, ce sont aussi les modes de jeu de Portal imaginés par les joueurs. Les spécialistes dont je vous parlais. Le fait qu'on puisse customiser notre équipement. Voilà, là je vous montre on parcourt un petit peu hein, les drones. Le mode 42 avec les différents soldats, etc. Voilà, vous savez tout. Et ben, à bientôt sur Maxo TV.